Bon, les amis, la place se vide. Hein. Petit à petit, il commence à y avoir beaucoup d'espace. Franck et Megan sont déjà partis tout à l'heure. Et là, c'est le départ de Benji, Mamie Nomade, Arnaud, Owell. Vont rester pour l'instant encore Happy Dudul, les copains. On a Leaf qui reste encore un petit peu avec nous et Cédric qui nous a rejoint avant-hier. Et normalement, cet après-midi, une visite très improbable. Des gens que vous connaissez forcément. Et à ce stade-là, vous ne pouvez pas encore savoir parce que si j'ai bien fait les choses, je ne les ai pas mis dans le générique. Hein. C'est ça. A besoin de frais. Allez. Salut, Mr. Well. Niveau carnaval. Ouais, sûrement, ouais. Bon, voilà, maintenant c'est le départ, de Leaf. Eh hey, mais hey. Ah non. Ah non, non, c'est pas le départ de Leaf, non. Non. Eh, vous revenez, hein. Merci, non. À bientôt. Non. Je vous aime. Comme je disais tout à l'heure, regardez qui voilà. Est-ce que vous reconnaissez le véhicule là? Bon, avec tous ces départs, la configuration du camp a un petit peu changé. Voilà, donc on a modifié Stéphane, je suis remis un peu plus comme ça. On a déplacé Bubule, derrière, deux, trois autres véhicules. Ça commence à faire du rangement un peu partout. Là, on est en train de commencer quand même à se préparer à reprendre la route. On va redescendre, donc direction Malaga. Mais pour l'instant, en fait, on est un petit peu coincé parce que voilà, on n'a toujours pas de nouvelles par rapport à la réparation de l'ordinateur de Mathéo. En fait, il y a besoin de changer la batterie et le réparateur l'a commandé. Et puis, au niveau du numéro de suivi, c'est bloqué, ça n'avance pas. Donc là, on a beaucoup de mal à avoir des informations. Donc clairement, nous, en tout cas, nous, les profileurs, on est tenus par ça aujourd'hui. Et puis, voilà, lui qui était parti hier, il est déjà revenu. Hein. On lui manquait trop. Voilà. Et comme je disais tout à l'heure, voilà, on a une visite un petit peu improbable. Là-bas, voilà, des copains, il s'agit des Fun Family, Laetitia, Jérôme et les enfants. Voilà. C'était pas très très loin, donc on s'est dit, allez hop, pourquoi pas. Soyons fous, un petit peu. Ça nous ressemble bien, la folie. Bon, encore un petit feu de camp, en version un petit peu plus
intimiste, mais bon, voilà, on s'est lancé. Celles sur les bords, elles vont cuire moins vite parce qu'il n'y a pas de. Voilà. On a pris des risques, on a mis un rôti là-dedans, en fait. Voilà, fabriquer une sorte de four artisanal avec des bûches en dessous, sur le côté et au-dessus. Voilà, c'est ça, un rôti fréto. Voilà. Avec des petites patates aluminium préparées au beurre. Beurre d'escargot ? Ouais. Voilà, par les mains de maître de Stéphane. Voilà. Qui est revenu en tout temps. Qui est revenu, on lui a trop manqué. Voilà, puis on se chauffe un petit peu mutuellement les uns les autres. On se chauffe mutuellement. On est bien, voilà. Ah, je savais que vous n'alliez pas avoir la là-bas, ce soir avec voilà. Cholo pour avoir les copains qui ont fait le petit détour peuvent venir nous voir. Hein. Laetitia. Je reviens demain soir. Hein. Jérôme, ouais. Et le nouveau véhicule derrière.